Vous voyez à l'écran, c'est ma collègue Julie Marcoux qui se prêtait au jeu de voir si on peut faire de la télé avec un chien à ses pieds. Parce que c'est la nouvelle mode hein, d'amener les toutous au bureau. Il y en a un qui le fait déjà. Il adore son Sonny. Vous voyez, c'est mon collègue Alain Laforêt avec son gros Golden. C'est un phénomène de plus en plus courant. Et donc, on a décidé d'inviter Jeanne Aupin, intervenante en comportement canin et technicienne en santé animale au complexe animalier Accès Vet Blainville. Est-ce que c'est de la complaisance pour faire plaisir aux employés, là, de les laisser amener leur chien? On va pas trop loin quand on fait ça? C'est certain, en fait, que d'un point de vue humain, oui, effectivement, on vient justement offrir à certains employés un réconfort. Il y a quand même un bon côté positif au niveau de la gestion des émotions humaines d'avoir un chien avec soi au travail. Il y a même certaines études qui ont montré, en fait, que ça pouvait amener une recrudescence, en fait, de l'efficacité au travail, une meilleure gestion du stress. Mais c'est certain, en fait, que pour l'animal, c'est pas toujours la meilleure solution. Ce n'est pas tous les chiens, les chats, les lapins, les animaux qui sont, en fait, capables d'éprouver du confort, en fait, en venant travailler. Un milieu de travail, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant et qui peut même être très surstimulant pour un chien. Okay. Des gens et tout, là, c'est beaucoup de choses en même temps. Parce que on faisait un reportage là-dessus aujourd'hui. Une collègue a amené son beau Golden Doodle, son beau Bernard Doodle oui. au bureau, puis tout le monde allait le flatter. C'est comme si la présence du chien a amené une onde de bonheur, de réconfort oui. dans l'ensemble de la salle de nouvelles. C'est un phénomène qu'on voit, ça aussi. Oui, beaucoup. En fait, un chien va rarement amener de l'inconfort, à moins qu'on ait justement une phobie ou des allergies ou un stress qui va être relié à ça, chose qui fait partie de la réalité. Mais à partir du moment où on voit un animal, souvent, ça vient apaiser tout le monde. Ils ont vraiment cet effet-là relaxant, rassurant. C'est toujours drôle, un chien. C'est toujours de bonne humeur, un chien. Donc oui, ça vient amener cette espèce de vague de « Oh mon Dieu, il est là, on va aller le flatter, on va aller le voir. Il est tellement content de nous voir aussi. » Donc oui, ça vient capter beaucoup l'attention, amener beaucoup de bonnes émotions positives, effectivement, là, au sein d'un groupe de personnes. 15 secondes, cependant, ça exige une gestion de la part de l'employeur. Tout le monde ne peut pas se pointer avec Toutou au bureau la même journée, là. Exactement, parce que on s'entend que Toutou n'a peut-être pas envie de voir toutes les autres Toutous en même temps au bureau non plus. Ça peut vite aussi devenir chaotique, je veux pas, dans un espace clos, d'avoir plusieurs chiens. Puis ça nécessite aussi des ressources qu'on a tendance à oublier. Donc, un chien a besoin de sortir à l'extérieur, se dégourdir les pattes, a besoin d'avoir quelque chose pour s'occuper, a besoin d'attention, a besoin d'aller faire ses choses à l'extérieur. Mmh. Donc, ça demande effectivement une gestion au niveau de « OK, mais quand est-ce que on peut prendre une pause pour y aller. » Bon, ben merci beaucoup, Mme Aupin. La réflexion va se poursuivre. Moi, je trouve qu'on devrait faire les vendredis toutous à TVA. Oui, absolument. Absolument. Il y en a beaucoup.